General Electric est le meilleur fabricant de réacteurs d'avion. Ses tout nouveaux moteurs sont les plus efficaces qu'il a jamais construits. Boeing a demandé à General Electric de les adapter au 747-8. Mais ils sont tout sauf bon marché. Ce sont les pièces les plus coûteuses du nouveau 747, avec un prix unitaire de 20 millions de dollars. Mais ils les valent bien. Les matériaux composites des ailettes et du revêtement allègent chaque moteur de 180 kg. Multiplié par 4, ce poids équivaut pratiquement à 10 passagers supplémentaires. Dotés de moins d'ailettes et tournant moins vite, ces réacteurs sont les plus silencieux jamais produits par General Electric. Ils fournissent un flux d'air supérieur avec moins d'énergie. Leur consommation en est réduite d'autant. Comment y parviennent-ils ? % seulement de l'air est mélangé au carburant et brûlé dans la chambre de combustion. Celle-ci entraîne un ensemble de turbines qui propulsent les pales. Ces pales entraînent les 90% d'air restant vers l'arrière du réacteur, créant ainsi la poussée. Bien que moins gourmand en carburant, ces quatre moteurs propulsent un 747-8 à pleine charge à plus de 1000 km/h. Un seul de ces moteurs produit une poussée égale à celle des 8 réacteurs d'un B-52.